Bonjour, peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Que toutes les bénédictions et la protection promises dans le psaume 91 soient sur vous, votre foyer et votre famille. Nous voulons vous dire en ce moment que toute attaque spirituelle qui pourrait se produire dans votre vie amoureuse, votre situation financière ou votre chemin sera annulée. Toi et tous ceux qui entendent cette prière seront grandement bénis et recevront de nombreuses bénédictions dans leur vie. Nous aimerions que vous prépariez un verre d'eau pour cette prière. Lorsque nous commencerons à prier le psaume 91, toutes les bénédictions de cette prière seront sur ce verre d'eau, et lorsque vous le boirez, vous ressentirez un grand sentiment de bien-être. Amen. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous écriviez votre prénom et la phrase « Dieu me délivrera du piège de l'oiseleur » dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes ici pour la première fois et que vous vous joignez à cette chaîne pour entendre cette prière, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. Nous sommes la prière quotidienne de la foi et nous ne parlons pas de religion ici. Il s'agit de Dieu, des choses de la Bible. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous voit. Il sait que vous avez besoin de cette prière. Nous vous conseillons de vous abonner à la chaîne car, à partir d'aujourd'hui, nous vous inclurons dans nos prières. Chaque fois que nous viendrons ici pour prier, YouTube enverra lui-même gratuitement une prière sur votre téléphone. En dessous, vous verrez le mot « s'abonner ». Cliquez dessus. Ensuite, vous verrez le symbole d'une cloche. Cliquez dessus également. Enfin, vous verrez le mot « Al ». Cliquez dessus pour recevoir la prière à chaque fois que nous venons ici. N'oubliez pas de préparer le verre d'eau, d'accord? Le psaume 91 est la prière la plus puissante de la Bible lorsqu'une personne est confrontée à des attaques spirituelles. Cette prière aidera cette personne à se débarrasser de toutes les attaques spirituelles. Nous allons vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien. Si quelqu'un a fait des rêves étranges ces derniers temps, comme des rêves de cheveux qui tombent, de serpents ou de dents qui tombent, sachez qu'il y a des rêves qui sont le fruit de notre imagination, mais qu'il y a aussi des rêves qui sont des messages du ciel pour nous ouvrir les yeux. Nous savons que beaucoup de personnes viendront ici pour écouter cette prière, des personnes à qui Dieu essaie de transmettre quelque chose à travers cette prière. Chaque soulèvement de l'ennemi, chaque attaque de l'adversaire sera annulée. Si quelqu'un rêve qu'il tombe de quelque part, si quelqu'un rêve qu'une bête le poursuit, chaque rêve mentionné a une signification, mais nous n'en parlerons pas dans cette prière pour ne pas trop la prolonger. Dans d'autres prières, nous parlerons de la signification des rêves. Cette personne fait face à des attaques spirituelles et a besoin de prier pour briser ses chaînes, et cette prière est le psaume 91. Il y a des gens qui étaient dans un très bon moment dans leur relation, mais soudain, ils commencent à se disputer. Ils s'ennuient l'un de l'autre lorsqu'ils sont séparés, mais dès qu'ils se rapprochent, les disputes recommencent et cette situation perdure. Le couple subit des attaques spirituelles. Il y a des gens qui se regardent et ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas heureux dans leur vie amoureuse, pourquoi ils n'arrivent pas à se connecter aux choses spirituelles. Mais il y a aussi des personnes qui ne réussissent pas dans le domaine amoureux parce que leur relation précédente s'est terminée par des paroles de malédiction. L'autre personne a dit « Tu n'es pas resté avec moi, tu ne resteras pas avec quelqu'un d'autre. » Saviez-vous que la Bible dit que les mots ont un pouvoir? La Bible dit qu'il y a des gens qui détruisent les autres avec leur bouche, avec des mots. Mais par cette prière, tout le mal qui a touché et atteint cette vie sera annulé. Maintenant, permettez-moi de vous donner deux conseils. Après avoir écouté cette prière, nous vous suggérons de l'écouter encore 6 fois pour arriver à 7 fois, mais pas en un seul jour. À partir d'aujourd'hui, écoutez-la pendant au moins les 7 prochains jours, en préparant toujours un verre d'eau. Le chiffre 7 est un chiffre spirituel très puissant. La Bible parle de nombreux miracles liés au chiffre 7. Elle raconte que Dieu a donné l'instruction au peuple de marcher 7 fois autour des murs de Jéricho et que les murs sont tombés.
La Bible raconte aussi que le prophète a ordonné à Naaman, un homme lépreux, de se plonger 7 fois dans le Jourdain et qu'il a été guéri de sa lèpre. La parole du Seigneur dit aussi que le prophète Élie est monté sur la montagne et a prié 7 fois et qu'à la 7e fois, Dieu l'a exaucé. De plus, dans le livre de la Genèse, la Bible mentionne que Dieu a sanctifié le 7e jour et l'a béni. Le chiffre 7 est un chiffre sacré pour Dieu. C'est pourquoi je vous encourage à écouter cette prière pour les 7 prochains jours, à tout moment, mais à vous engager dès aujourd'hui pour les 7 prochains jours. C'est pourquoi il est également important, si possible, de consacrer 7 heures de jeûne à Dieu. Soyez assurés que Dieu vous bénira, vous délivrera et vous protégera. Cette prière s'adresse à tous ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles dans leur vie amoureuse, dans leurs relations, ou à ceux qui ne parviennent pas à avoir une relation fructueuse avec qui que ce soit. Je veux accorder une attention particulière à ce domaine pendant cette prière. Nous prierons pour tous les domaines, mais je ressens le besoin de mettre l'accent sur celui-ci. Après la prière, si vous êtes dans une relation ou si vous êtes célibataire et que vous désirez l'intervention et la provision de Dieu, prenez une photo du couple ou une photo de vous-même et nous prierons pour votre vie. Très bien, prions le psaume 91. Je demande également qu'après avoir terminé cette puissante prière, dans laquelle je sais que vous sentirez la présence de Dieu, vous l'envoyez à 7 personnes. Ne rompez pas cette chaîne. Choisissez 7 personnes et envoyez-leur cette prière. Maintenant, préparez votre verre d'eau. Maintenant, répétez cette prière avec moi avec une grande foi. Tout ce que je prie ici concernant le psaume 91, vous le répéterez avec moi, soit en parole, soit dans votre cœur. Prions. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la dévastation qui sévit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras le salaire des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. » Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je l'élèverai, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasirai d'une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Laissez-moi maintenant prier pour vous. Laissez cette prière toucher votre vie. Ô mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, je te présente, mon Dieu, mes prières et notre période de jeûne de 7 heures. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné qu'il y a des batailles spirituelles, des luttes et des guerres qui ne peuvent être gagnées que par la prière et le jeûne. Ainsi, en ce moment, pendant le jeûne, mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, nous déclarons que chaque attaque spirituelle à laquelle ton fils, ta fille, a été confronté, tombera au sol maintenant, en se retirant. Toute envie qui a visé leur vie amoureuse, leurs finances, leur santé et leur famille, tombera à terre maintenant, retraite. Nous transmettons le jeûne que nous avons fait pendant 7 heures. Nous le transférons maintenant, nous le donnons à la vie de ta fille, à la vie, ô Père, de ton Fils. Et nous déclarons la bénédiction
la protection et le grand témoignage qui se produiront dans leur vie à partir de maintenant. La lumière de Dieu illumine tous les domaines de leur vie. Dieu les délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Père, consacre maintenant ce verre d'eau et que toutes les bénédictions et la protection du psaume 91 soient sur ce verre d'eau. Et quand ta fille, ton fils, le boiront, qu'ils soient bénis au nom du Seigneur Jésus. Priez maintenant avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et vous dites Amen. Remerciez Dieu. Amen. Maintenant, l'eau que vous avez préparée est consacrée, bénie. Vous pouvez la boire et répéter cette prière pendant les 7 prochains jours. Je suis sûr que vous vous sentirez très bien. Tous ceux qui écoutent cette prière seront, j'en suis sûr, bénis, éclairés et protégés, libérés de tout mal. Avant de partir, nous vous demandons de cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous, afin que YouTube puisse s'assurer que d'autres personnes reçoivent cette prière, qu'elles en soient informées et qu'elles aient la paix. Je vous demande également de la partager avec 7 personnes. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Restez avec Dieu. Amen.